Salut à tous, j'espère que vous allez mal, hein, parce que moi c'est un peu mon cas, car finalement je voulais pas vraiment faire cette vidéo au début, parce que je savais pertinemment ce que serait le résultat. Mais bon, des gens m'ont demandé d'en parler, et je me suis dit autant rentabiliser le temps que j'ai usé à regarder ce truc. Et avant de commencer, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre personnage préféré, si déjà vous en avez un. Héhé. Donc sans plus tarder, lançons l'intro. Franchement, je ne saurais pas à partir de où commencer. Je dois dire que, avant tout ça, avant le drame quoi, j'étais vraiment super hypé de la suite de Promised Neverland. La saison 1 était grandiose, et je m'attendais à ce que ça suive la même trajectoire. A noter que j'avais déjà un peu continué en manga avant que la saison 2 sorte, car j'étais tout simplement trop impatient. Finalement, après l'annonce, j'avais arrêté ma lecture, ce qui fait que je n'étais qu'une dizaine de chapitres après la saison 1. J'ai fait ça histoire de totalement profiter de la saison 2, et de ne pas revoir des choses que j'ai déjà vues. Terrible erreur. Donc le premier épisode de la saison de sort, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était comme l'avènement du virus en France. Sauf que là, il n'y avait aucune affiche dans les aéroports pour prévenir du drame qui allait se passer. Alors, on dit souvent que tout le monde trouve un peu de bonheur dans son malheur. Et c'était mon cas au début. Le premier épisode reprend bel et bien sur la fuite des enfants. Et ils couraient vraiment tous super vite, comme s'il y avait leur youtubeur préféré au bout de la forêt. Hey, salut à tous les amis, c'est Della, franchement, Pokémon. Bref, en regardant ça, je me suis dit que le danger était écarté. Ça a l'air plutôt bien. Jusqu'à ce que je m'aperçois que tout le moment dans la forêt, qui a bien duré une dizaine de chapitres dans le manga, n'a pris à l'animé que 10 minutes pour être adapté. Alors, je veux bien qu'on soit précoce, mais il y a quand même des limites. Mais après, je me suis dit, ça va, hein, des fois ça rush, c'est un peu normal, hein. Et ben la vie de ma mère que je me rassurais pour rien. Et ce n'est pas au bout de mes surprises que je vois une espèce de grosse araignée en 3D dégueulasse en train de les poursuivre. Ah là là, ça me rappelle des souvenirs d'Harry Foretta, ça. Sauf que lui avait le mérite d'appeler de commencer. Tu veux quoi toi? C'est toi, tu veux quoi toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi là. Tu regardes de travers. Mais je t'ai pas regardé de travers. Et je vais te niquer ta mère. Oh, arrête hein. Bon, quand même après ça, l'histoire avance, jusqu'à trouver le camp des réfugiés. Et bam, magie, ça fait des chocs à pic. L'anime a adapté 7 chapitres en un seul épisode, et le nombre qu'il a sauté reste encore indéterminé. Et finalement, l'anime a continué son cours, pendant que je perdais mes yeux au fur et à mesure que je regardais. Ils ont sauté l'un des plus grands arcs de la série, rendu certains personnages nuls. En bref, si je me devais de donner mon avis sur cette saison, ce que je fais toujours en grande transparence avec vous, car je suis un youtubeur élite, ça serait que c'était vraiment éclater sa grand-mère la pute. J'ai jamais vu un truc aussi nul. Et est d'autant plus justifié, sachant que j'ai lu le manga, et que je sais à quel point l'anime l'a piétiné, tel un mégot de cigarette sur une rue parisienne. Pourquoi une rue parisienne? J'en sais rien, je suis marseillais. Donc vraiment, d'habitude, j'essaye d'être objectif, de montrer les bons points malgré tout, c'était pas si terrible que ça et tout, sauf que là, si. C'était si terrible que ça. J'ai pas craché sur Harry Foretta juste à cause de sa CGI ou de son fanservice, parce qu'il y avait vraiment un truc derrière. Il y avait une histoire, des choses prenantes et intéressantes. Sauf qu'ici, vraiment, je vais me répéter, je sais, mais c'était claqué au sol. La seule chose que maintenant j'espère, c'est qu'il n'y aura jamais de suite à ça. Et c'est pour ça aussi qu'on passe à la suite. Pour une suite en animé, franchement, bah déjà honnêtement, je sais pas comment certains peuvent l'attendre. Genre y'a vraiment des gens qui ont fini la saison 3 et qui se sont dit « Chouette, j'attends une saison 3 avec impatience !» J'espère vraiment pas. Mais pour le cas de la saison 3, désolé de vous en informer ainsi, mais c'est mort. L'animé a au début rushé de fou, encore ça pouvait aller, mais à partir de l'épisode 4, tout prend une nouvelle tournure. Et l'animé dévie totalement du matériel source, donc du manga, et part sur une adaptation exclusive animé, qui va prendre un peu du manga de temps en temps, pour l'adapter ensuite à sa sauce, et faire un peu de la merde. La chose est qu'une saison 3 est totalement impossible. En plus, le dernier épisode de l'anime montre des éléments de la fin du manga. Il y a vraiment de quoi rager. Imaginez, vous regardez l'anime et celui-ci crache littéralement sur toute l'histoire de l'auteur écrite dans le manga, mais en plus, vous spoil la fin de celui-ci. Ça veut dire que même si après avoir vu l'anime, vous décidez de lire le manga, ça sert à rien parce que vous connaissez déjà la fin à cause de cette merde. Dites-vous sérieusement que l'anime a condensé 144 chapitres dans 11 épisodes. C'est honteux!
Donc en bref, Ouija courte, un peu comme l'animé finalement. La seule chose qui pourrait rendre possible la saison 3, et même l'avenir de l'adaptation animée entière, ça serait de faire un remake de la saison 2, qui cette fois suit correctement le manga, un peu comme FMAB, et ne rush pas ses morts. Mais ce qui semble très peu probable, car finalement, le fait de tout rusher et faire n'importe quoi, c'est une décision du comité de production. Donc c'était un choix qui a été sciemment réfléchi, sûrement pour populariser encore plus le manga. Donc vraiment, aucune chance d'un remake. Et par addition à ça, aucune chance de saison 3 aussi. Donc la seule chose, et je dis bien la seule chose que je peux vous recommander en tant que youtubeur manga élite, ça serait de tout simplement faire comme si la saison 2 n'existait pas. Et comme je l'ai dit il y a 2 ans, mais avec une voix beaucoup moins virile, de reprendre un manga à partir du tome 5, ou plus précisément chapitre 38. Comme ça, vous serez juste après la fin de la saison 1 et vous pourrez profiter de tout. Surtout me remerciez pas en mettant un like et en vous abonnant. Non, non, vraiment, c'est pas la peine. De toutes les façons, et dans le pire des cas étant qu'une saison 3 soit annoncée, hein, si un remake ou autre est annoncé, je vous en informerai en commentaire. Vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao, bye.